Le directeur général de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, le lieutenant Adama Tondo Sama, a indiqué que dans leur gestion, chacun des parcs ou réserves est doté d'un comité de gestion locale regroupant les acteurs locaux, ayant un rôle consultatif et destiné à appuyer les gestionnaires par des avis, des suggestions et des recommandations sur la définition des actions et stratégies de protection et de conservation des aires protégées. Selon lui, la présente session donne l'occasion au comité gestion locale du parc national de Taï de donner son avis sur les questions d'ordre technique, culturel ou budgétaire qui lui ont été soumises par la direction des zones sud-ouest. Les échanges qui ont suivi ces présentations ont permis aux membres du comité de faire de nombreuses recommandations pour une gestion plus efficiente et favoriser une protection durable du parc. Il s'agit notamment de favoriser la mise en place des cadres de concertation locale dans chacun des départements ayant en partage le parc pour améliorer la communication entre population et gestionnaires, encourager les micro-projets d'agroforesterie et la prise en compte du genre dans la mise en œuvre des micro-projets et autres actions en faveur des populations riveraines.